Salut à tous, c'est l'heure des frames. On se retrouve aujourd'hui pour continuer Tales of Graces. Oui, encore une fois. Bon, ça fait pas mal de vidéos, c'est vrai, mais on avance et puis le jeu est long quand même, hein, c'est pas trop mal. Bon, alors, finalement, j'ai pas fait de level up, par contre, j'en ai profité un peu pour voir ce que je pouvais faire dans mon mixeur. Donc, le beignet de flanc, je pense qu'il est temps de le virer pour remplacer par autre chose. J'avais noté... Alors, il va falloir que je retrouve ça. Alors, le port au curry, si vous avez le courage en faire, si vous le connaissez plus de 10 fois, vous obtenez un titre avec Asbel. Donc, pour avoir réussir à avoir 10 KO, c'est pas évident. Les crablettes, c'est bien, mais étant donné que je n'ai pas encore Sophie, on les fera plus tard. Les tartes à la banane aussi, vous pouvez, parce qu'elle peut gagner un titre. Il y a aussi... Quoi d'autre? Puis, alors, celui qui m'intéresse... je sais, voilà, la bouillie de la dorade, ça c'est avantageux pour Malik. Je cherchais son nom, hein, évidemment. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'omelette au riz, puisque vous voyez, gain d'XP plus. Et du coup, bah, ça, vous allez voir combien d'XP je vais gagner. En plus, avec du mode difficile, alors ça, je vais prendre aussi. Pas doubler la durée des. Plat, alors ça par contre vaut mieux le mettre quand vous avez beaucoup d'emplacements. Pour l'instant je vais un peu éviter, voilà. Donc là je vais mettre ça pour récupérer du coup les points de vie que je récupère avec mes plats. Et en buff de premier choix, on va remplacer par une aubergine, tout simplement, ça me semble correct. Voilà. Et on va revoir aussi mes articles, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas rejoué. Ça devrait aller. Est-ce qu'on voit? Bien, je vais voir. On n'a pas vraiment de nouvel arti, par contre, je viens de voir un truc. Alors, on a des arti. Point démoniaque et tourbillon glacé. Alors, en fait, ça, ce sont des arti, hein, donc vous n'avez pas besoin de les équiper. Et en fait, vous avez vu, il faut en fait maintenir la touche croix, pendant un arti, donc à 2 PE. Et un autre arté à 3 PE, donc ça fait que pour utiliser ces types d'arté, il vous faut beaucoup de PE. Pour l'instant, je vais pas me focaliser. Et on va aller commencer ce donjon. I wonder if my sister is still mad. Pascal, there's something I've been wanting to tell you. Yeah? Just because Fourier is angry, it doesn't necessarily mean that you did something wrong. Wait, are you consoling me? Do not misunderstand my intentions. I simply wanted to point it out. Thanks for trying to console me. I am not consoling you. You are totally consoling me. All right, fine. I am done talking. Alors aussi d'ailleurs pour information, j'ai fini le justement les quêtes annexes du jeu. Donc j'ai obtenu le platine du jeu. Et finalement, pour quelques... Non, c'est pas là qu'il faut aller, déjà, je m'y perds. Et pour certaines quêtes, en fait, j'ai des sauvegardes préparées à l'avance, parce que, honnêtement, c'est trop chiant à faire. Donc, notamment, pour finir une quête, j'ai préparé une sauvegarde, parce que sinon, en gros, il faut se faire des armes d'une certaine qualité, et c'est très chiant à faire, c'est très long, il faut farmer les... Des fragments, c'est pas évident, donc donc tant pis, hein, au moins je prépare comme ça, sinon ça prendra trop longtemps à préparer et la vidéo vous l'aurez peut-être jamais, hein, donc. Et après pour le cheminement de la zone cage, ça je ferai finalement en fait quand j'aurai fini le non seulement le cheminement du jeu, mais non seulement quand j'aurai fait aussi l'épilogue du jeu, puisque également dans l'épisode vous avez vu le point d'expérience que j'ai gagné aussi, aussi grâce à l'épilogue qui s'appelle alors je sais plus comment il s'appelle l'épilogue exactement, bah là j'ai un trou de mémoire, mais en gros je ferai quand j'aurai fini ça, parce qu'il faut quand même un gros niveau et puis au moins vous avez la suite du scénario. Et puis l'épilogue est pas forcément long en fait. Est-ce qu'on pourrait croire? Oui, d'accord. En fait, je suis descendu de là pour rien. Donc on va ici. Là, c'est pas difficile en fait. Oui, en fait, il y a un circuit qui est au sol. Il faut tout simplement relier ça vers les sorties.
Et encore ce type de... d'énigme, mais franchement très simple comparé à un autre donjon qu'on aura plus tard qui lui sera annexe, mais qui sera beaucoup plus compliqué que ça. Are you nervous? You could say that. When I think about what's ahead of us, my hands start to shake and my knees go weak. But Captain Malik, it looks like I'm not the only one. How's that? You missed a spot shaving, right over there. It makes me think you have worries of your own. Very observant. I confess, I've been on edge ever since Asbel and the rest of you saved me in Fendel. Now I have to live up to the expectations of everyone waiting for me back home. They say it's bad luck to bring up your hometown. That's what people talk about when they think they're going to die. I refuse to die until Fendel is back on its feet. Ouais, donc là honnêtement j'ai vite envie de au moins de battre le boss de fin. Donc ça, ça va être déjà la première étape. Après pour le pour l'épilogue, j'estime 5-6 heures de jeu. Et après il y aura tout ce qui est quête à faire, la zone cage. Bon, pour l'instant c'est pas encore préparé, donc on verra plus tard. Alors on se calme. Normalement, faut pas passer par en haut. Enfin, faut pas passer par ici. Mais on va voir ce qu'il y a, parce que je m'en veux plus. J'ai pas trop préparé le donjon, mais... Non, ok, c'était pas là. J'ai pas trop préparé le donjon, mais il est pas difficile à comprendre, donc ça va, au moins je m'y perds pas. Pas comme par exemple, dans Eternal Sonata, le Fort Formata. Dans Eternal, je trouve que quand même les donjons sont plus labyrinthiques. Là, honnêtement, ça va encore. Alors, une tenue de mithril qui pourra l'équiper Sharia, je crois. Non, pas. Bah, peut-être Malik, hein. Ouais, défense physique, bon tant pis. On n'équipera pas ça parce que j'aime pas trop les stats en fait de cette protection. Peut-être qu'il y en a qui le mettent, mais moi honnêtement, j'accroche pas tellement. Alors est-ce qu'on a un coffre là? Non, il n'y a pas de coffre, ok. Donc là on va un peu éviter les ennemis pour l'instant, je ferai les level up pour vidéo. Je sais pas si je vous ai montré cela. Je sais plus. Donc on va aller partir, on va commencer à gauche. Et après on verra ce qu'il y aura à droite. Bon, de toute façon, si vous commencez à gauche, si vous commencez à gauche et si la sortie est à droite, c'est pas très grave. De toute façon vous avez juste à changer la manivelle juste du début en fait. Waouh. Aussi il va falloir que je fasse gaffe également au mixeur, puisqu'en fait les omelettes se cuisinent uniquement quand on a un peu plus de 50 d'ailettes en fait dans le mixeur. Donc forcément si vous avez moins de 50% dans le mixeur, les œufs ne se cuisineront pas. It will take more than that to stand in our way. Et en plus ça permettra d'augmenter en plus la capacité du mixeur. Là, tiens, je repensais que j'aurais été un peu plus. Vous avez vu déjà que là je suis quand même à 1300, j'ai peut-être pas dû augmenter le mixeur. Ouais, 62 à chaque fois. C'est sûr, ça fait pas tellement. Donc il faut être sur la carte du monde ou avoir un tortue à côté. Bon après c'est pas si grave, hein, c'est juste des points d'XP. Oui, c'est vrai que j'oublie. Mais je voudrais bien... bien arriver, surtout avant avant les boss, en fait. Profiter pas mal de ce bonus. Donc on va essayer de faire gaffe. De toute façon, au niveau... niveau gelé, je pense que je suis bon.
puis maintenant, la plupart des ennemis, vous les connaissez, j'ai plus besoin de vous les présenter. Maintenant, le bestiaire commence à se renouveler. Bon, donc après, bon, j'espère que ça vous dérange pas de ne plus avoir de combat. Parce que je trouve que quand même, les vidéos, elles ont assez duré. Bon, bien que, à l'époque, j'ai pas pu... Disons, en fait, à l'époque, ça me prenait beaucoup de temps de faire un encodage. Bon, maintenant, ça me prend moins de temps de faire des encodages. Et ça prend du temps quand même aussi pour faire les vidéos. Alors aussi, j'ai pas équipé les lunettes pour Uber. On peut le faire. Temps de passage ou double lame, ça peut être intéressant. Ouais, je vais le mettre. Donc là, personnellement, je préfère commencer à gauche. Ah mais non, c'est vrai, c'est vrai. Les deux s'alimentent, mais je vais quand même commencer à gauche. Donc aussi, si vous vous rappelez pas ce qu'on a dû faire durant le scénario, en fait, on devait activer, en fait, alors... on doit activer deux canons, mais il y en a que l'un des deux qui marche, en fait. Et simplement, on doit activer celui de Fendel. Et du métal rare, ça c'est un... c'est des composants qui peuvent être bien utiles, ça. Mais il n'existe qu'un seul spot possible pour avoir des métal rares, donc il vaut mieux les dupliquer. Hey Pascal, who exactly are the Amarcians? What brought this up? They create tons of advanced technology, scatter it in ruins around the world, and yet we know nothing about them. Doesn't that seem strange to you? No, not at all. The origin of the Amarcians is totally a main focus of my research. Did I forget to mention that? Wait, really? Yep. And based on all the goodies I found in the Archive of Wisdom, I'm pretty much certain the Amarcians came here from Phaedra. No way. Yeah, so there must be a way to get there. And when we arrive, I bet we'll discover a civilization that's totally prospered and thrived and stuff. So, saving Sophie isn't your goal at all? Well, that's a bonus. Seriously? Donc là, commencez à en avoir un peu plus sur les Amarciens. Et après, vous verrez très prochainement Phaedra. En gros, là, je crois qu'après ça, on va y aller sur Phaedra. Parce qu'on en parle depuis quelques vidéos, mais vous ne savez pas grand-chose en fait. Alors là, du coup, faut alimenter les deux portes. Donc, on va y revenir en arrière. Et après, on va prendre le chemin de droite. Bon, c'est un peu un truc chiant de cette zone-là, c'est qu'on est obligé de revenir en arrière. J'aurais pu mettre un petit téléporteur, en fait. Voilà, un téléporteur, on pourrait revenir ici, en fait. Ah, ici au coffre. De l'itis dans le mixeur, ben je ne dis pas non plus, ça remplit quasiment mon mixeur. Et après il va falloir que je remplis le... C'est pas vraiment le, en fait, du farm d'XP que je dois faire, c'est plutôt du farm des lettres. Bon, logiquement quand vous avez une bonne partie, vous finissez avec 3000 ou 4000 délettes sur une bonne partie, hein, je précise, parce que il y en a certains qui savent pas exact, qui disent pas vraiment la cuisine en fait dans le mixeur délettes, alors qu'il faut justement l'utiliser. C'est comme ça qu'on monte d'ailleurs les lettres, parce que là je suis à 2000 quand même, alors que je suis à peu près à moitié du jeu. Parce qu'il y en a certains qui étaient qu'à 300 voire 400 en mixeur des lettres à la fin du jeu. Donc ça fait très très peu quand même. Alors je vérifie s'il n'y a pas de coffre caché. Il n'y a pas de coffre caché. Donc là, alors je crois qu'on va aller dans les dernières salles. Ah non, c'est la dernière salle, ok. Donc là, faut juste activer la porte qui est devant. Donc on va prendre ça. Ça c'est bien, je vais le mettre. Alors à la place de
les fragments. Sachant que maintenant des fragments, alors j'ai appris 2-3 choses sur les fragments. C'est que quand vous avez moins de 100 fragments, la probabilité d'avoir des fragments est accrue. Et quand vous en avez plus de 190, vous pouvez plus en avoir. Donc de toute façon, je dois en avoir assez. Donc on va aller puis les fragments, c'est quoi ce qui parce que je m'occupe le plus. Donc je vais mettre le livre de croissance à la place. Parce que non seulement après non seulement vous avez la difficulté qui influe sur le nombre de pourcentages d'obtenir un fragment, mais en plus il y a un autre pourcentage, c'est le pourcentage que vous pouvez obtenir pour gagner un seul fragment. Donc ça, c'est deux choses c'est deux choses à ne pas comprendre. Donc ici, bruit magique. On va aller équiper Acheria. Magique, bah, c'est là. Ouh, tiens. Ça, c'est pas mal, du coup, quand je soigne un... Quand je soigne un allié, bah, Acheria se soigne automatiquement de 10%. Bon, ça permettra qu'elle regagne de la vie, même si elle régénère un autre personnage. Et en plus, j'espère que pour le partir de septembre, vous êtes prêts pour tous les RPG qui va sortir, parce que il va y en avoir vraiment beaucoup, que ce soit des portages HD, que ce soit des nouveaux jeux. Donc, par exemple, il y aura Exilia, il y aura Disgaea D2, après il y aura le Lightning Returns, après tout ce qui est des portages, bah, il y a le Kingdom Hearts, le FF10, il y a aussi le Tales of Symphonia Edition Pack, c'est dans Chronicles, c'est sous Chronicles. Donc franchement, il y a des jeux l'année prochaine. Hein. Donc je sais pas comment ça va être pour moi pour l'année prochaine. Du coup. Voici notre boss. Bon, ça ressemble pas vraiment à un boss, mais on va mettre la scénette avant et je ferai une sauvegarde. The heat ray control unit should be around here somewhere. Yeah. Just a hunch. This place is laid out like the other Amarcian ruins I've seen. Control units and such aren't exactly our forte. This one's up to you, Pascal. Leave it to me. I'm on this like white on rice. Voilà, donc je regarde, je suis level 51, je suis toujours en difficile, je pense que je suis bon. Alors, on va y revoir ça, level 66, ouais. Je pense que je vais un peu galérer, mais ça devrait passer dans l'ensemble. Ouais, voilà. Sauf si ça déroule comme ça. Donc, j'aurais dû racheter un peu plus de fioles vitales. Ouais. En fait, je dois être... Va falloir que j'esquive beaucoup, en fait. Il attaque très... Il fait quand même de grosses attaques. Hein. Ah, je crois qu'il était censé uniquement aux RPA. Bon, mais je peux utiliser les RPA aussi. Alors, j'aimerais bien justement qu'on évite. Hubert, tout va sur la défense, ça c'est bien. Est-ce que Acheria a pris comment ça s'appelle, résurrection, c'est bon, elle l'a. Comme ça, je vais éviter. En plus, c'est vrai que s'il a une attaque comme ça, ça va moins être évident. Waouh, Hubert se prend plein la gueule. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris d'attaque.
Et pourquoi est-ce que Sheria pense plus s'attaquer qu'à se soigner elle-même? Alors c'est une soigneuse, mais bon. Mais bon, c'est... Donc là, elle a enfin l'idée de la soigner. Bon, sauf que je vais plutôt la faire aux objets, parce que sinon, on va y rester 3 ans. Et sans Malik, ça va être un peu short. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Il va se faire se soigner. Ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut faire beaucoup d'esquives. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir des bons persos. Comme Hubert, je pense que c'est quand même des bons persos. Pascal, je pense pas qu'il doit être trop très utile. Bon, ça, j'ai pas eu trop de dégâts. Bon, sauf là. Effectivement, il faut que je l'ouvre pour que je me reçoive plein de dégâts. Effectivement, je ne peux pas être aussi en explosion d'ailettes. Parce que le boss va être deux fois en choc d'ailettes. Il est chiant, ma foi. Alors, on va utiliser. Oh putain. Oh putain. Ça, c'est pas bon. Du coup, on va réutiliser une. Non, une fiole vitale, pas une fiole de sirop. Voilà, on va activer vite le. Voilà, le choc des lettres, comme ça. En plus, il dure 10 secondes, quoi. Ah, c'est. Alors, en plus, il fait infirmière, ça c'est pas mal. C'est sûr qu'à force de faire des esquives, j'ai plus de. Mais c'est pas trop mal passé.